Et bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais oh j'ai réussi à me cacher pour parler de tout, mais surtout de rien. Waouh, incroyable mais vrai, le spot de My Little Tree. On se retrouve pour la suite du let's play de Let's Go Evoli, toujours en live bien évidemment. Et alors avant de commencer, avant de reprendre les hostilités, eh bien nous allons faire un petit échange avec Hiroji donc pour qu'il m'échange en fait son Goopix d'Alola. Alors, loin de vous, connexion par internet. Alors j'espère que ma connexion du cul va tenir. Alors, on va faire un échange link. Et donc, alors attention, il va falloir être rapide pour entrer le code. Mon code sera Evoli Ratata Topiker. Voilà. Donc Hiroji va devoir rentrer ces mêmes Pokémon dans le même ordre pour qu'on se trouve mutuellement, pour qu'on puisse s'échanger nos petites merdes. Alors j'ai proposé à Hiroji, il était plutôt d'accord, un petit Roucool. Voilà, parce que moi je trouve vraiment qu'un Roucool, ça vaut un Goopix d'Alola, quoi. Hein, entre la faune d'Alola et la faune et la faune là-bas, voilà quoi. Mais attends, mais on est bien d'accord qu'il ne s'appelle pas on est bien d'accord qu'il ne s'appelle pas Tsuki. Je vois qu'il est écrit. Alors moi je demande à ce que tout soit en ordre. Parce que je vois que non seulement c'est un Goopix mâle, mais qu'en plus... Alors oui, non, je crois... Non, mâle, c'est normal. Mâle, c'est normal, il me semble qu'on avait dit que ce serait un mâle. Mais c'est bien celui-là, hein. Incroyable. Nous sommes dans les guacs les plus profonds. Ah, il s'appelle Tsuki chez toi. D'accord. D'accord. C'est marrant, alors pourquoi ça me met serveuse? Quoi? Bon, écoute, très bien. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris le délire. Au revoir! Au revoir! Ou alors c'était le nom que tu t'es donné? Non, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Oh oui, trop bien! Oui! Oh. Ah oui, voilà, c'est toi qui t'appelles Serveux, d'accord, j'ai cru que c'était le nom du Pokémon. Très bien, très bien, très bien. Oh, il est trop mignon. Trop chou. Merci beaucoup Hiroji, merci beaucoup à toi. Plein d'amour sur toi, parce que grâce à toi, nous avons un deuxième petit Goopix dans la team. Alors par contre, oui. Alors niveau 29, si j'ai cru comprendre. Voilà, Tsuki niveau 29, incroyable mais vrai. Donc on va peut-être pas la jouer direct, mais on va quand même la mettre derrière nous. Oh, elle est trop mignonne. Non. Sortir la Pokéball. Et on va te mettre à côté de Haka. Histoire que vous copuliez pendant le voyage. Et voilà, on a le petit Goopix d'Alola. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et on va pouvoir, du coup, maintenant... Et bien, voilà. Aller dans la grotte sombre. Une grotte sombre telle un Anu. Mais cette fois, eh bien, nous avons la TS... voilà.
qui nous permet d'éclairer notre chemin. Très bien. Alors, oulala, il y a des... Ah oui, putain, les Pokémon, les Pokémaniacs qui sont quand même sacrément angoissants, je trouve. On va pas se mentir. Comment vas-tu, Tsuki? Il est surpris, on y voit clair d'un coup. Ah bah oui. Et alors, Hiroji qui nous demande comment appeler son Rukul, eh bien, je te conseille de l'appeler Katakuri. Voilà. S'il te plaît. Baston Pokémon, c'est parti! On est surveillé par un Osselet. Mais oui, de toute façon, je suis pas sûr que tu puisses le rename, hein, le Rukul. Rabolos. Alors. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez! Zidane l'a frappé, Zidane l'a tapé. J'aurais dû faire morsure. Bah non, mais Katakuri pour un Rukul, je trouve ça fou. Non, en vrai, je sais pas. C'est un peu horrible. C'est un petit peu horrible. Putain, je fais autant mal avec morsure qu'avec coup de boule. Ouais. C'est un peu horrible de rabaisser Katakuri à ça, mais au pire, tu l'appelles dent de chien. Tu l'appelles dent de chien, je pense que ça ne fera de. Ça, je pense que ça déplaira à personne. Oh là là, cette tête de l'angoisse. Alors, on va aller par là. Bon, alors la grotte qui se fera logiquement plus facile. Enfin, ça sera moins long que dans... Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ah, mais laissez-moi! Mais quelle angoisse! Laissez-moi tranquille, je veux vivre. Oh putain, mais c'est Noceralto et Onyx, quoi, mais bordel, mais c'est là que tu te rends compte que, putain, Pokémon dans la vraie vie, ça serait juste, mais cauchemardesque, quoi, quand tu vois que t'as des meufs qui font une attaque cardiaque quand ils voient une petite araignée qui fait même pas la taille de leur mine. Mais alors, t'imagines, tu vas dans une grotte et tu tombes sur deux Noceralto et deux Onyx comme ça, genre, waouh, quoi. Je dessine les Pokémon quand je suis tout seul. Cool, non? Allez, génial, ta vie, mec. C'est vrai que ça faisait un peu maison de monstre. Ah mais non, mais vraiment, tu vois ça, tu vois flou, hein. Un Kangourex. Kangourex. Vous l'avez ou pas? Alors, je vais peut-être changer par contre parce que je suis pas très confiant. Quoique elle est niveau 23. Hein. Ouais, on va voir ce que Coup de Boule fait. Très bien. Très bien. Coup critique, trouille, très bien. Espèce de saloperie. Oh là là là, est-ce que Tsuki... Alors, je sais même pas ce qu'elle a, Tsuki. Oh là 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 là, onde folie, onde boréale, éclat magique, laser glace. Bon, bah écoute, on va faire un petit... on va faire un petit versus. On va tenter un petit versus. La petite Goopix toute mignonne contre le gros Kangourex. Ah, yeah, mais... Oh putain, mais arrête! Arrête ça! Ah là 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 là. Oh là là, point comète. Bon, en vrai, je sais pas. Hein. Je suis plus très serein. Je suis plus très serein quant à la suite des événements. Tu veux pas être gelé? Non, très bien. Il veut pas. Ah non, salope! Oh non, 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 non. Ok. Alors, tu vas payer pour avoir fait ça, la petite nouvelle. Tu vas vraiment payer. Son copain va le venger. Ah bah ouais, parce que tu savais pas, mais Tsuki elle a un cum et il est vénère. Quoique je vais pas faire grand chose non plus. Oscar. Ah mais non, mais ça suffit, bordel. Mais combien de fois il m'a foutu la trouille? Non mais c'est insupportable. Oh là 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 là. Bah en fait son cum vaut pas grand chose non plus. On est clairement sur un couple de faibles. Clairement. Non mais là y a plus rien à sauver. Sans déconner quoi.
Non mais il y en a marre, si je m'étais pas fait apeurer le nombre de fois qu'il m'a apeuré, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu... Il serait mort, hein, depuis longtemps. Damoclès, Lady va apprendre. Non merci, tu n'apprendras pas Damoclès. Oh, je suis crevé. Ah bah tu m'étonnes, un espèce de fou furieux, va. Oh non, je suis deg. Est-ce que j'ai un rappel dans ma vie? Oh mais là, je suis trop deg, quoi. Ouais, j'ai un rappel. Hop, on va rappeler. Et on va soigner un petit peu la team. Hop. Hop. Voilà. Bon, on va continuer. En faisant attention à Tsuki, la pauvre Tsuki, toute jeune et toute innocente. Toute frêle et innocente. Rappel. Voilà, je viens de rembourser le rappel que je viens d'utiliser. C'est trop beau, la vie. Salut, toi. Muscle puce. C'est pour avoir une moquette encore plus... Enfin, je parle de mon avatar. Une moquette encore plus musclée. Parce qu'on va pas se mentir, des femmes avec un petit peu de muscle, c'est sexy. Alors, j'ai bien dit un petit peu de muscle. Enfin, un petit peu... genre, je suis pas fan des espèces de... Comment dire des culturistes, tu vois, les vraiment... BEM! BEM, tu vois, genre les grosses tablettes et tout, machin. Non merci. Mais contre Nyx, c'est perdu d'avance à l'attaque! Sauf qu'on va faire Fouillian, mon pote. Allez, salut! Au revoir, Onyx. Onyx. Zbub, zbub. Alors, Morgane, ok. On a battu Dorian, putain, yes. Niveau muscle, zéro. Qui c'est qui a touché à Dorian? Oh, putain, je suis mort. Zbub, zbub. Au revoir, monsieur. Alors. Y'a quoi par là? Très bien, y'a que du dresseur, y'a que du dressage. Donne-toi à fond! Alors par contre, je vais juste... ah non, je peux pas, très bien. Je voulais juste pour le chat relancer Opog pour qu'il ait un peu moins de décalage. Sauf que bah non, c'est en train de record, donc ça va être un peu compliqué. C'est sûr. Féro-singe! Est-ce que Féro-singe, si je lui fais un coup de boule, il va mal le prendre? Oh oui! Oui! Morgana! Morgana the best! Morgana for the win! Morgana! Alors. Alors, on va mettre. Alors, Yu qui s'offusque parce qu'il vient de voir qu'on gagne à chaque fois 3 Pokémon dans le jeu et que c'est trop simple. Oui, non, mais en même temps c'est normal. C'est un peu normal qu'on gagne beaucoup de Pokéball parce que je te rappelle que les combats sauvages ne se déroulent qu'à base de Pokéball, en fait. C'est-à-dire que tes actions, quand tu es face à des Pokémon sauvages, c'est uniquement des Pokéballs. C'est pas comme si, tu entamais un combat. Donc c'est normal qu'on nous donne... vraiment le plus de Pokéball possible. Parce que s'il s'avère que tu n'as plus de Pokéball, t'es quand même sacrément dans la merde dans ce jeu, quoi. Vu que toutes les rencontres se font comme ça. Joy Queen qui rejoint le chat, incroyable! Bonsoir à toi.
Mince, je me suis fait détruire! Mes Pokémon vont te faire pleurer. Alain le Montagnard. Esbouisboui. Alors, est-ce qu'on met Tsuki? Oh, j'ai peur maintenant de mettre Tsuki, c'est incroyable. Ah, maintenant, je vous jure, j'ai peur. On va mettre Samaragde. Oh mais non, mais super. Oh, bah, heureusement que j'ai pas mis Tsuki. Hein. Putain, le mec il fait destruction dans notre Lugueux là. Ah mais le mec. Mais c'est incroyable ça, voir ça. Grosse team, hein. grosse team, grosse stratégie. Est-ce que je me soigne un peu? Allez, on va la tenter à risquer. Yes. On va mettre Mew. Je pense que ça va pas y faire grand chose. Mew. Ouch. Oh, le petit Mew tout fragile contre le gros Onix. Moi je n'arrive pas à me sortir de. Je n'arrive pas à me sortir de la tête à chaque fois que je vois Mew qu'il fut une époque. Une époque lointaine où en fait sur Terre il n'y avait que des Mew quoi. Genre tous les Pokémon c'était Mew quoi, juste Mew. C'était le seul être vivant. Hein. Ça devait être tellement drôle. Tu vois des Mew partout. Tu vas dans une. L'équivalent des chenipans, c'était Mew. L'équivalent d'un Onix, c'était Mew. Voilà, que des Mew. Mew partout. Pourquoi j'ai mis lui? Mais je voulais pas mettre lui. Oh là là, la gaffe. Oh là là. Oh là là, Vincent, la gaffe. Putain, je me suis gouré de. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me gourer de Pokémon. Non, éboulement, c'est pas cool en fait. Allez, au revoir, Gravalanche. Mew Party. J'avoue, une Mew Party. Un Mew Gangbang. Non, c'est dégueulasse. Non, vraiment, Moquette, à un moment donné, tu. Oh, lance-flamme! Ah, bah là, on aime bien, là. Eh, mesdames et messieurs, Aka va pouvoir mieux défendre sa Dulcinée à partir de maintenant parce que monsieur a appris lance-flamme. Et là, mon pote, là, on va moins faire le malin, là. Ah, bah là, oui. Bon, contre Onix, je vais peut-être pas non plus faire le malin. Mais contre d'autres Pokémon, t'inquiète pas que ça va casser des mers. Bonjour, par exemple, toi, là, t'as l'air tout gentil. Il est long, ce tunnel, crois-moi. Ouais, bah, tu vas voir ce qui va être long aussi. Ça va être l'attaque lance-flamme. Putain, quel enfer. Jean-Luc, le fan. Oh, putain. Jean-Luc Reichmann, le fan. Incroyable. Oh non, Caninos. Clairement, ce que je veux pas. Allez, on va tenter un petit coup de boule. Que les trucs. Ah, mais lui aussi, il a lance-flamme. Vas-y, ça me nargue. Non! Non! Bah voilà, en fait, le jeu voulait me montrer en gros. Voilà ce que c'est une attaque lance-flamme. En mode, voilà ce que ton Pokémon va être capable de faire. Putain, mais Morgana, quoi.
Putain, ça me casse les couilles, ça. Vous allez voir, vous allez voir. Non, mais non, mais vous allez voir. Très bien. On a battu Jean-Luc, qui quand même a mis Morgana à feu et à sang. Morgana, rest in peace, my pote. Moi, je dis, je vais te faire un petit rappel quand même. Parce que bon, tu mérites, hein, tu mérites d'être appelé. Vraiment. Je pense vraiment que t'es un gars bien. T'es vraiment un gars exceptionnel. T'es un mec en or. Salut, Neiko d'Antonio. J'ai le jeu depuis sa sortie. Hein. Je fais juste un let's play en live comme ça, voilà. Parce que, bah écoute, j'estime que c'est pas parce que un jeu est sorti depuis un bail que tu peux pas le streamer, tu vois. Bonjour à toi. Bon, bah, je suis perdu, moi. Et puis voilà, c'est pas parce que tout le monde l'a fini qu'on peut pas en faire un let's play, tu vois. Sébastien. Alors, si jamais il avait eu un Kalinos qu'il avait appelé Belle, ça aurait quand même été fou. Mais bon, je pense qu'on va un peu trop loin. Ouais, on va mettre Lady quand même. On va remettre Lady. Bah en fait le truc c'est le problème avec les jeux, ouais, c'est que tu sais les jeux ils ont des modes, tu vois, il y a des sortes de modes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, bah tu vas avoir énormément de streams de ça, tu vas avoir énormément de vidéos de ça, de let's play, etc. etc. Enfin tu sais, dès qu'un nouveau jeu triple A sort, tu vas avoir une mode et tout. Et je trouve ça dommage que bah dès que la mode est finie, t'as quasiment plus personne qui va en parler ou qui va vraiment y jouer, tu vois. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a pas de meilleure façon de faire vivre un jeu que de justement y jouer quand c'est pas une période de mode, quoi. Tu vois, c'est justement la vérité. Moi j'ai toujours fait ça aussi avec les let's play et tout. C'est que genre, mais peu importe la date du jeu et tout machin, enfin qu'il soit vieux ou pas du tout et tout machin, bah j'en ferai des vidéos dessus sur ma chaîne ou sur mon Twitch et tout. C'est tout, quoi. C'est beau de faire vivre un jeu justement hors sa période de sortie, quoi. Parce que période de sortie, c'est limite pas légitime, parce que vu que tout le monde y joue, bah voilà. J'ai pas compris ta phrase, parce que le jeu n'en vaut vraiment pas le coup pour un go, mais en vrai, en général. Tintin. Vas-y, je vais changer quand même aussi. J'ai quand même peur de mourir, de faire mourir Morgana une fois de plus. Je vais peut-être changer Morgana aussi, hein, de pas le laisser en première place, en pole position. Bah moi j'en parle régulièrement parce que je fais un let's play, mais oui, c'est sûr que... Boum. Lady niveau 29, Tsuki niveau 30. Putain, ils sont en retard, les deux, Morgana et l'autre.
Ouais, je vais changer de Pokémon en première place, par contre. Oh là là. Il y a un Gravalanche à l'entrée. Bonjour à toi. Bah, je vais mettre Tsuki, allez. Allez. Allez, on va se la faire comme ça. On va faire attention cette fois à ce qu'elle meurt pas trop vite. De toute façon. Oui, bah c'est sûr que c'est pas le genre de jeu qu'on va parler régulièrement, vu que c'est... Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand chose de nouveau. Enfin, ça reste quand même plus ou moins un remake. Donc oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai dû lire quelque part, oui, que les personnages de Let's Go avaient un nom, mais je me souviens plus. Je me souviens plus, donc ouais, je veux bien, n'hésite pas à nous en informer, Joy-Kun. Ah là là! Ah bah tu te fais du mal, hein. Ah, mon game. Elle se nomme Hélène, d'accord. Hélène Segarra? Est-ce que le gars s'appelle Segarra? Et j'ai pas du tout, ouais, non, du coup, non, ça me dit rien, donc effectivement, j'ai pas dû voir... Oh, Rhinocorne sauvage, stylé. J'ai pas dû voir, ouais, qu'ils avaient un nom. C'est cool. Ça fait longtemps qu'ils ont... Qu'ils ont donné leur nom. Comment? Oh, trop bien! Un versus de qualité! Ouais, enfin, moi, fais pas la folle, hein. En plus, c'est deux femelles. Hein. Oui. Trop bien. Non. Oh là là là, j'en ai marre. Un versus qui ne se termine pas si bien que ça. Donc, Tsuki. Désolé, ma pote, mais... On n'a pas envie que tu meurs, quoi. Et vote à l'assaut. Hop là. Comment que ça dégage? Elles se battent pour AK. C'est ça. Elles se battent en mode... Non, c'est le mien. T'as senti une odeur de mal viril, mais... Bon, allez, Sacha Strat, c'est quand même les meilleures solutions, quoi, je veux dire. À un moment donné, il faut arrêter de jouer comme tout le monde, quoi. Vous avez pas compris, vous savez pas, vous êtes... J'ai remarqué, hein, vous aimez la facilité et tout ce qui fait gagner sans honneur, quoi. J'ai remarqué, hein, vous aimez pas le fun, vous. Au revoir, Kadabra. Kadabra. Est-ce qu'un Kadabra... Parce que c'est quand même l'évolution d'un Abra. Abra, on est bien d'accord, n'a pas de cuillère. Donc est-ce que Abra, quand un Abra naît, il sort du vaillant de sa mère, donc Alakazam ou Kadabra, on ne sait pas. Est-ce qu'il sort du vaillant de sa mère avec une cuillère, qu'il garde jusqu'au moment où il évoluera en Kadabra? Ou est-ce qu'une cuillère apparaît comme par magie au moment de l'évolution? On ne sait pas, hein. Moi, je comprends pas tout dans le monde de Pokémon. Je me dis à quel moment il y a une cuillère qui apparaît, qui sort, je sais pas. Tsuki!
oh là là, comment il a propulsé mon Mew. Eh oh, oh, tu vas te calmer, tu vas calmer ta mère tout de suite, toi. Non, mais le mec, il s'est cru où? Tiens, voilà, souffre. Attends, eh oh. Créer des cuillères en faisant évoluer des abras, nouveau business, incroyable, hein, j'avoue. Hein. Non mais c'est vrai, ça n'a aucun sens, quoi. C'est quand même une invention humaine, la cuillère. D'où c'est Dame Nature qui crée des cuillères. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'il y a un business à se faire, hein, complètement. On va voir ma choc. Le bout des pattes de Tsuki trouve ça trop mignon. Ah, j'ai pas vu... Qu'est-ce qu'il a au bout? Qu'est-ce qu'elle a au bout des pattes? Ah, tu veux dire l'espèce de bleu? Remontons la remontadad. Si, por favor. Bonsoir. Oh là là, mais il y a du monde là encore. Oh, oh, tu as une belle collection de Pokéball. Dis, c'est bien. Tu devrais revenir me voir quand ton stock commence à s'épuiser. Ah oui, d'accord. Donc lui, il te donne des Pokéballs. Ah oui, c'est vrai que le bout des pattes est très, très, très choupilou. Nidorina. Tsuki. C'est vrai que c'est trop mignon. On dirait qu'elle a des faufettes. Il y a des chats aussi qui ont des bouts de... leurs bouts de pattes, c'est comme ça aussi. C'est trop mignon. Goupix a la même, tu me diras, mais en marron, quoi. Enfin, marron ou en orange très très foncé. Ça dépend comment on voit la chose. Arrête ça tout de suite, Nidorina, parce que moi, j'ai lance-flamme. Tiens! Tiens! Oh, je voulais que ça la tue, quoi, genre montrer sa puissance, sa supériorité. Et au final, bah la supériorité pas tant que ça, quoi. Au final, j'ai peur, à l'aide. Au final, à l'aide, quoi. Donc c'est moyen bof, quoi. Moyen bof, on va dire. Et infernal. C'est la remontada, fi. On a battu Erin. Ah, j'ai fait un faux pas! Eh oui, mon pote. Eh oui, mon pote. Très bien. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Pour cet épisode de 18, si je ne dis pas de conneries. Donc, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube, ça fera toujours plaisir. Et puis, allez voir l'épisode d'après, s'il est déjà disponible. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très vite. Plein de bisous YouTube.